Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Annie Réplicante. On va lancer une nouvelle partie et on va voir ce qui se passe. Je sais pas. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Difficile. Laissez-moi dans votre nom. Je m'appelle Blue. Est-ce que je vais. Non mais il va vraiment me faire recommencer le jeu, vous pensez? Ce nom ne peut pas être utilisé. Bah, Nick. Non. Ouais, vas-y. Mais attendez, on va. Hein? C'est. Qu'est-ce qui va se passer? Attends, mais ça veut dire que je peux pas reprendre le même pseudo? Je peux plus reprendre mon pseudo, c'est fini. Fini ces conneries. Ça, c'est le début du jeu. Sous ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Comment on a la fin, eux? J'ai raté.心配すんな。兄ちゃんはお化けなんかに負けない。 待ってろ。何か食べられるものを見つけてくるから。
Yona. Nani ga attemo, sono hon ni wa sawaru n janai zo. Zettai ni. Amorun! Thank you.
なんてことないさ。よかった。あ、これさっき見つけたの。クッキー、用なの大好物じゃないか。うん、お兄ちゃんと半分こする。いいよ、僕は。お兄ちゃんと一緒に食べたい。じゃあ小さい方を。うんうん、お兄ちゃんはお父さんとお母さんの分まで。 Thank you.
Yoda. Et du coup, le dessin à côté, c'est celui de Mamie? Densetsu no Hanada. Mirio sareru no mo muri wa nai. Ja, kore ga Yona no atsumeta katta. Sono hana ni sawaru na! あの女の人、下着しかつけてないよ。たわけが、もっと他に見るべき場所があろう。あの人、魔物。 こうなるのか。こやつの攻撃力、侮ってはならぬぞ。 奴の攻撃の隙を突くのだ。
魔物が魔物を攻撃してる?見ろ、文様が消えていく。この人、人間だよね。半分はな、いわゆる魔物付きというやつらしい。そう、悪いことしちゃったな。僕、てっきり魔物だとばかり。 ともかく、この人を助けなきゃ。あ、気がついた。貴様ら、さっきはごめんなさい。半分は本当に魔物だ。さっさと出ていけ。我らはお前を解放し謝罪した。 いいよ、シロ。あんなに激しく戦った後だもの。
疲れてるんだきっとカイネ私その名村で聞いたことがあるもういいだろう私に関わってもろくなことがない帰れサマラに用はない。C'est ridé de faire ce combat en hard en ayant speedrun. Hein. Parce que là, vous l'avez pas forcément vu, je sais pas du tout comment ça sera diffusé jusqu'à présent. Comment vous dire? Je suis niveau 7, je crois. Je sais pas quel niveau j'étais dans mon let's play, mais j'étais clairement pas niveau 7. J'ai fait 0 quête. Ah, j'ai 9 heures de médicinale quand même. Là, c'est hors de question que je me soigne. Hein. Pour l'instant. Mais bon. Après, en fait, maintenant j'ai 70 heures de jeu de plus. Il y a ça aussi. Par rapport à la fois où on avait affronté ce boss. Mais pareil, ça vous l'avez pas vraiment vu. Mais ce boss, il m'a détruit. Il m'a défoncé. J'ai passé des heures. Non, peut-être pas. Mais j'ai passé bien 20 minutes dessus. Bon, on va s'autoriser une herbe médicinale. Hein. Ça va. Histoire que si on prend un coup un jour, bon, on regrette pas quoi. Sans la meilleure façon de burst en dégâts, c'est attaquer et en même temps tirer. Non, ça c'est connerie, voilà. Exactement. Oh, pire connerie, non. Oh la barre. Vas-y, continue de focus ça. Ah, c'est ça le problème. Now I remember. Je connaissais pas le burst de dégâts avant. Pas à l'époque. Non, mais arrête! Putain, mais quel con. Eh bien, on voit la cicatrice à l'endroit où Kanye lui avait fait la blessure. Je me rends compte que maintenant. Sens du détail uniquement là où on s'y attend pas mais putain ça parce que j'ai voulu être au grid ok allez une papate en moins enfin je sais plus comment ça marche on rappelle plus non juste la patate de forain. Bon, on détruit deux trucs au passage, mais ça c'est pas un problème, on s'en fout. C'est que des ombres. Je veux dire, c'est pas comme si c'était des humains. Hein? Ouais. Et oui, du coup, tiens, bah, j'en profite. En ce moment épique. Mais il y aura un let's play. Un replay. Je sais pas comment je vais l'appeler. Mais de Nier Automata. En mode, on sait. On connaît le jeu, hein, ce sera en mode, c'est pas la découverte du jeu, hein, donc je spoilerai allègrement. Non mais, cassez-vous. Ouais. Je suis pas sûr d'arriver à bien l'interpréter ce village. Et parce que j'ai trop envie de rejoindre Nier Automata, maintenant que j'ai joué à ce jeu. Je vous avoue que, voilà, que ce soit pour Emile, Devola Popola, puis même en fait tout ce qui avait été dit, notamment à propos du préjugé Gestalt, et puis d'autres trucs, il me semble qu'il y a d'autres trucs qui me perturbent un peu. Bah notamment cette histoire de Yora Yona. Hein. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment une coïncidence que le nom... On va s'en aller, hein. Que le nom ouais, du groupe d'androïdes porte le nom de notre sœur, un nom proche de celui de notre sœur.
Oui, non, mais ok, ok les gosses, c'est bon. Et vise la maison. En plus, c'est la maison qui génère ça. Ah bah tiens, on se demande comment ça se fait. Allez, adieu les bébés. Putain, mais en vrai, c'est ça, hein. C'est juste que les bébés, ils étaient dedans de base. À tous les coups, c'est ça, en fait. カイネが おばあちゃんのとこに来ないかい。誰にも頼れずどこにも属せず、ずっとずっと一人で辛い仕打ちと怒号の中生きてたって仕方ないだろう。ねえ、カイネ。それだけか。ん？話はそれだけか。何言ってるんだい、カイネ。おばあちゃんは。話が終わったんなら、その臭い口でもう二度と喋れないように。 粉々に刻んでやるって言ったんだ、この野郎。<笑>おばあちゃんは絶対に言わない。生きていたって仕方ないなんて死んだって言わない。だから私をどれほど死にたくても、おばあちゃんの仇を討つまではずっと 醜い体をさらして生きてきた。その時間がどれほど長く耐え難いものだったか、お前にわかるか。はあ。<笑><笑>
さ猫を噛むというやつか。この攻撃は危ないよ。あやつ、あのまま死ぬつもりだ。今のあやつにとっては死が最も安らげる場所なのかもしれぬ。シロが決めちゃダメだ。ん？死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。どんな状況でもどんな状態でも人には生きる価値があるんだ。誰にだって明日が必要なはずだ。カイネにだってヨナにだって。おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。カイネ、こっちだよ。諦めちゃダメだよ。生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく手間のかかる女だ。捕まえ。
Oh, j'avais des larmes aux yeux en me réveillant ce matin, nanana, j'en parlerai à Kainé quand je me réveillerai. Ça, c'est le 6 juin, mais sans nous, ça. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, let's go. Let's go. またあの夢を見た。抗いようのない苦痛と悲しみが襲う夢。私は何か大切なことを忘れている気がしていた。折れてしまった剣を見るたび、魔王との壮絶な戦いを思い出す。ヨナという少女を救ったあの日から3年。私はやるべきことを成し遂げたはず。なぜ私は泣いていたのか。あれから3年経った今も、あの日の疑問に答えを出せずにいた。嫌な夢を見た。くそ。魔物を殺しに行くか。Alors j'allais dire c'est terrible ça, cette image du bâton d'Emile, mais il clignote en plus. Emile.Yes. Putain, on joue Kainé. Attendez. Ok. Taillade fournée en deux. Ah, ok, très bien. C'est... Ok. J'ai des objets? Ouais. Ok. Putain, on joue Kainé, incroyable. Putain. Oh. Ah ouais. Non mais, ah oui, le problème c'est Kainé, les attaques magiques qu'elle avait...Attendez, ça donne quoi les attaques un peu là qu'elle a? Ah. D'accord. Voilà pas les la bouboule magique chargée. Mais bon. Très bien. Donc là, on va devoir essayer de... Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va devoir essayer de faire. Non. Par contre, c'est trop bien parce que... Ouais, pour ça, oui. Mais par contre. Ouais. Mais. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, c'est terrible. Oui, du coup, aussi, voilà. Moi, j'avais. Nouveau fichier de sauvegarde a été débloqué. Vos données de sauvegarde jusqu'ici seront temporairement hors d'usage.Très bien, bah, je vais quand même le faire dans la sauvegarde 3, hein, vu que c'est la seule qui n'était pas utilisée jusqu'à présent. Putain, on joue Kainé. Niveau 45, du coup, ça reprend le niveau GT. Hein. Ah, c'était ça que je voulais vérifier. Je crois que j'étais niveau 45, donc... soit c'est fait de base niveau 45, soit... soit c'est vraiment au niveau où t'es quand tu arrêtes. Ce qui est pas plus mal, parce que si j'avais repris niveau 7, je vous avoue que ça aurait été très marrant.Mais par contre, ouais, du coup, moi, voilà, moi qui justement me disais, ouais, ça aurait été vachement intéressant de découvrir comment évoluait le monde, qu'est-ce que ça donnait
du coup le monde sans notre personnage, les conséquences de ce choix-là, bah on va peut-être pouvoir les découvrir à travers ça. Oh. Attendez, j'ai pas fait gaffe, mais est-ce que je suis toujours en hard? Oui, si, je suis en hard. Okay. On leur fait naturellement fort. Enfin, mal. Oh là là. Oh Kainé. Oh Kainé. Oh oui. Oh, 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 tu me fais plaisir. Oh, j'aime ce que tu me montres. Ah non, oui, raté. Faut que je vois si on peut faire des execs, mais je pense, hein. Ah mais oui, du coup, je peux les spammer, ces attaques. C'est pas de la magie. Et paf. Oh, trop bien. Ah mais ouais, mais... Mais par contre... À part me calmer, à part me défouler, ça fait quoi? Ça sert à quoi? Non mais, oui d'accord. Ah, je me fais bolosse en plus. Hein. Mais non mais, merci. Oh, c'est trop stylé ça. Hein. Oh ouais. Oh là, mais Kainé. Ouais, Kainé, hein, je comprends. Je comprends, hein, Kainé. Hein. Quand même badass, hein. Quand même méga stylé. Mais alors, mais c'est, oh, okay. C'est tellement agréable de jouer le perso. Genre, enfin, c'est ultra agréable. Oh là là. Mais oui. Ah mais elle défonce les armures, elle. Ah ouais, non mais d'accord. Parce que c'est vrai, je me disais, moi, par contre, les ennemis en armure avec la sans magie. Ça va être trop long. Bon, t'as Kainé, t'as pas besoin. Pas besoin, en fait. Il suffit juste d'avoir Kainé. Oh là là. Ah ouais, ça c'est pas mal en vrai. Parce que ça casse les bubules en plus. Ah ouais. Non mais. Il est pas abusé le perso, c'est bien. Moi je suis content de l'avoir pris en, de toujours continuer en hard. Hein. Pas de regret. Pour l'instant en tout cas. J'en aurai dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Hein. En mon avis. Hein. Là c'est des trash mobs. Hein. Là on s'amuse. Il se fait bolos. C'est vrai que le village, ils ont plus d'Evola et Popola non plus d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Bam! T'avais de l'armure? T'en as plus. Un problème? Ah, je l'ai pas tué. C'est pas fini. Voilà. Arigato. Tasukatta yo. Kokora wa mamono ga fuete ite abunai. Kaere. Sou shitai ga shimoto ga atte ne. 神話の森の住民と連絡がつかないんだ。誰かが様子を見に行かないと。その様子じゃ無理だろ。私が見てきて。え、本当か？助かるよ。そうだ、これ。よかったら使ってくれ。俺はここで待たせてもらうから、すまんがよろしく頼む。 Non mais j'ai le droit d'aller voir Yona quand même. Oh, je vais voir Yona, hein. Oh, y'a un boss. Attendez, y'a un boss. Regardez ce boss.
Est-ce que vous croyez que Kaine elle défonce le boss? Moi je pense hein. Je veux dire bon... On arrivait à faire ce boss avec l'autre perso. Pourquoi on n'y arriverait pas avec Kaine? Ça n'a aucun sens. Oh là là, mais ce perso! Incroyable, trop bien. J'adore. J'adore ce que je vois. Ah, raté. Ouais, d'accord. Voilà. C'est mieux. Bon, je teste des trucs encore. Hein. Allez hop, niveau 46. Salut. Hein. Mais du coup, vous l'aurez pas vu, mais j'étais un frère indigne. Je suis jamais allé voir ma sœur. Jamais. J'ai pas fait une quête. C'était terrible, quoi. Genre, vraiment... gros barbare. J'allais voir juste Popola. Ouais, en vrai, j'ai vu Yona une fois depuis que j'ai eu le grimoire. Voilà. Je le vis mal. Donc là, on est sur une autre vraie partie, on va rattraper. Hein. Mais. Bon, ça, c'est vrai. C'est vrai que bon. Ouais. Vu que c'était Devola et Popola qui étaient censés régler ses problèmes de rentrer dans le village et qu'elle voulait pas trop rentrer dans les villages à la base. Effectivement. Après, elle a sauvé Yona, bordel. Hein. Au bout d'un moment, bon, hein, Kaine, elle vous a tenu une porte pendant 5 ans et sauvé Yona. Au bout d'un moment. Hein? Elle a tué le maître des ombres. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse de plus? Oui, bah oui, qu'elle retrouve notre perso, oui. Non mais l'ambiance ici hein. Ouais. Ah. Non mais au bout d'un moment, non mais non. T'as mais je te sais mort. Ah quoi que c'est pas papy hein. Il est où papy? Oh putain. Yes. Mais il est où, papy? Kikai domo wa naze koitsura ga korashita no ka? What the? Comment ça se déplace ces trucs? Oh. Pourquoi c'est des machines ça? Ok. Bon après oui, c'est censé faire le lien avec Nier Automata, certes. Je m'attendais pas forcément à ce que ce soit aussi rapide. Faire un lien. Je m'attendais pas à ce que ça se fasse de cette façon-là. Ce serait l'invasion extraterrestre qui commencerait. Non, je peux pas taper. Oh! On va pouvoir rentrer dans l'arbre. Putain, que de surprise. Ça commence trop bien. Je suis trop content. Trop content. Sachant que ouais, il m'a pas fallu tant de temps que ça au final hein, pour... J'ai dash, hein, mais j'ai mis quoi? J'ai mis 2h30 je pense. 3h pour atteindre le point... ce point-là. Donc, bon. Après, j'ai dash, hein. Comme j'ai dit.
Je regardais 2-3 cinématiques, mais il y a peut-être des trucs que j'ai un peu passé. Oula. Oh, attendez, je vais me taire, hein. Darada. Doko ni iru? Ochitsuite. Isoganai de. Sugu ni aeru. Kimi no arui yatsura da. Mais alors, moi je comprends, hein. Je comprends pour cet arbre. Ça veut dire que l'arbre il a jamais été un vrai arbre. Ça a été un truc en gros qui avait cette forme là, mais qui était qui a justement un usage d'archives, comme ils le disent eux-mêmes. Mais bon, déjà qui ils sont, ça me fait penser du coup que ce qu'ils ont dit, qu'en fait du coup c'est parce qu'on a tué le maître des ombres que Kaine elle s'est déchaînée après à la fin, en fait je pense. Mais ça soulève pas mal de questions et ça a l'air de répondre quand même à pas mal de trucs aussi, ce qui est vachement cool. Continue. Ah. Il est immense cet arbre. Ok, il ressemble plus vrai. Ça y est, c'est bon, ça finit de ressembler à un arbre visiblement. Ok. Par contre, du coup, ce que je comprends pas trop, ce qu'on nous parle d'un. Bah, ceci dit, l'arbre il a quand même été capable de plus ou moins devenir une ombre. Ouais, ça j'imagine que c'est grâce au pouvoir des mots. Enfin, de la maladie des mots là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah, restaure tous les PV, ça. Ah ouais. Et comment ça se fait qu'on lui a enlevé des souvenirs, alors? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été hacké, le robot? Enfin, l'arbre? Mais putain... Bien sûr. Ok. Ah mais attends, non, peut-être pas. Est-ce qu'ils sont bien ceux qui je pense? Hein? Kirin wa genki datte. Kore de wa kaeru ni nara nai. Dewa.
Oh, c'est OST. Ah, c'est pas Adam et Eve, hein. Waouh. Hop, 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 calme-toi. Contre lui, j'ai tout intérêt à rester en l'air. Hein. Ouais, pas comme ça, quoi. Hein? Il me repousse quand même? Saloperie. Oh, allez, ah oui, d'accord. Faut que je mette des attaques lourdes. Comment ça? Ouais, ouais, le monde recyclé là. Ah, il fallait peut-être faire le. Ah, bah oui, il fallait le faire forcément, oui. Oh, voilà, les armes. Quoi? Ouais, 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 il va se calmer le robot là. Ouais, super. Mais non, mais tu fais pas toucher derrière. Terrible ça. Non, non, mais attends. Vas-y, fonce-toi dessus, ouais. Et meurs. Meurs. Mais putain. Meurs. Voilà.私はこんなにヤワじゃないぞ。君のためにいくら破壊しても無駄だよ。破壊されても崩壊し再生するから。まだ楽しめる。うるせえんだよ。バラバラに解体して潰してやる。
クソったれが。Pardon ? Quoi ? C'est normal, toutes ses mains ? Putain, Emile ! Incroyable ! Trop content de le revoir ! Le bro ! あの魔法陣に強い魔力を感じます。エネルギーの元になっているようです。これを壊せば、カイネさんたちも消えるはずです。わかった。僕らも法陣を壊すので、カイネさんはカイネさんたちを壊してください。今のカイネさんを壊すっていうのは、本物のカイネさんのことじゃなくて。わかってる。集中しろ。C'est peut-être bien les extraterrestres, hein. エミール、さっきは騒がしくて話せなかったが、あの後一体何があった？どこにいたんだ？それになんで腕が4本もあるんだ？カエネさん、そんなにいっぱいは話しきれませんよ。わかってる。心配したんだぞ。カエネさん、でも、また会えました。ああ、そうだな。
僕、何か大切なことを忘れてるような気がするんです。エミールもか。アイネさんも。ああ、なんだか知らないが頭の中にモヤみたいなものがかかってて。僕、誰かと何かを約束したような気がするんです。何か美味しいものを食べるような。じゃあ取り戻さないかな。はい。C'est si stylé. この先に膨大な魔力を感じます。エミール、無茶なことはするな。絶対だ。分かっています。カイネさんもですよ。もう一人にはなりたくありませんから。ああ、もう。Hein, une porte comme ça, tiens. Ce genre de couloir, tiens. Ah ouais, d'accord. Oui. Mao no shiro. Kaine-san, oku ni tsuyoi maryoku o kanjimasu. Kono basho wa tokubetsu na basho. Anata ni totte mo, sekai ni totte mo. Donc j'imagine qu'il faut pas taper. うるさい。死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。この声、夢と同じ。聞いたことがあるような。これは君たちの記録。何度も繰り返し綴った記録。なんだ、ここは。エミール。お、cette interface。ここは君の記憶。ここは君の記録。ここは君の世界。Donc ouais, c'est bien ça, hein. Genre, ce qu'on est nous. なんだ、これは。C'est complètement ça. Amour et 記憶。閉じられていた未
Putain, mais ce jeu... Mais... Il m'énerve. On est comme 2B, on est comme Nainesu. On doit en avoir un petit paquet, non? Ouais, bah oui, on sait ça. Après, la différence entre mémoire et archi, j'avoue... Oh, c'est trop stylé, ça. La tornade, là. Konoha? Non, merde. Bon, tant pis. On va attendre. C'est pénible. Ouais, Konoha Senpu. Yes.
記憶の一番深い場所。君が閉じ込めていた記憶、これが君の最悪の記憶。Évidemment. Ouais, ouais. Mais en même temps, à l'origine de tout. En vrai, c'est immaniable. Hein. Là, je suis juste un tour en rond. C'est trop dur. Ah, ça, c'est les phases à la Automata, ça. Ah ouais, mais au secours. Aïe. Ça tourne mal. Oh putain. Ouais. En ouvrant les yeux, Kaine sent une dizaine de regards intrigués fixés sur elle. Elle comprend qu'elle est tombée à terre. Des pierres tranchantes s'enfoncent dans sa chair, comme... Peu importe, c'est pas important. Elle se relève, chancelante, et jette un regard aux alentours. « Hein ?» murmure-t-elle. « Qu'est-ce qui s'est passé? Je combattais pas des ombres ?» Ses pensées s'accélérant, elle tend inconsciemment la main vers son épée, sa compagne depuis tant d'années. Elle ne peut pas l'expliquer, mais elle sait qu'elle se trouve à présent dans un monde nouveau. Oula. Enfin, pas si nouveau que cela. Elle reconnaît la girouette en forme de faucon qui tournoie doucement au-dessus d'elle, ainsi que les petites maisons rondes d'où s'échappent des volutes de fumée, et bien sûr, les villageois qui la fixent dans un mélange de crainte et de dégoût. Oh oui, quelle vision familière. C'est l'air. Elle est chez elle. Un problème, ma petite ? En entendant cette voix, Kaine se retourne pour découvrir une femme ravagée par le temps.
Ses hanches étroites paraissent trop faibles pour la soutenir et le châle autour de ses fines épaules manque de tomber en lambeaux. « Mamie, c'est vraiment toi ?» Les yeux écarquillés, sa grand-mère lui adresse un regard interloqué. « Qu'est-ce qui t'arrive, petite sotte? Tu t'es perdue dans un rêve !»« Un rêve? Est-ce que c'est un rêve ?» Mais tout semble réel. Le visage de sa grand-mère, son odeur, le bruissement du vent sur son chalusé. Si c'est un rêve, c'est le plus réel que Shikaine a jamais fait. Mais elle est morte, mamie est morte. J'ai vu cette putain d'ombre la tuer. Si c'est pas un rêve, comment elle peut être là? Peut-être que les ombres m'ont tué aussi. C'est sûrement ça. Je suis morte. Je suis morte et je suis enf. Oh, arrête un peu tes bêtises. Kaini tressaillit en voyant sa grand-mère lever une main, s'étendant à écoper une punition douloureuse. Cependant, elle ne reçoit pas de coup. Sa grand-mère place simplement sa main sur sa joue. La chaleur radieuse de sa pomme se répand immédiatement dans sa joue, puis son visage et son corps tout entier. Qu'y a-t-il, ma petite ? Demande sa grand-mère. Ça ne va pas, tu veux rentrer ? Kaine sent des larmes perler au coin de ses yeux, et lutte pour les retenir. Elle ne comprend pas encore la situation, mais une chose est sûre, cette personne est sa grand-mère. Pardon, mamie. Je sais pas trop où j'avais la tête. Bon, fais juste attention à ne pas la perdre, rit sa grand-mère en retirant sa main. Peut-être bien un rêve, ou alors je suis déjà morte. Mais en tout cas, je ne suis pas seule. Tant que mamie est avec moi, ça me suffit. J'ai dit d'arrêter de rêvasser, glousse sa grand-mère. Allez, tiens-moi ça. Elle tend à Kaine un grand sac rempli à ras-bord de fruits et légumes en tout genre. Purée, mamie, c'est beaucoup trop. Il faut se faire plaisir de temps à autre. Et puis ces enflures ont beau nous détester, ils sont toujours ravis de nous prendre notre argent. On leur apporte notre aide comme on peut, même si ça les oblige à supporter notre présence. Soudain, elle se tait et se retourne lentement. Oh, avec tout ça, j'en ai oublié mon médicament. Je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est mamie, en fait. Un sourire s'esquisse alors sur son visage avant de disparaître dans ses rides. Effectivement, c'était mamie. Inquiète, Kaine s'avance vers elle. Ça va aller, mamie. Rentre te reposer, je vais aller chercher. Sa grand-mère hésite, évidemment partagée entre sa fatigue et son inquiétude pour sa petite fille. Avant qu'elle puisse protester, Kaine insiste, ignorant la petite voix qui lui affirme que c'est une mauvaise idée. C'est bon, mamie. Ça va. Rentre, je m'en occupe. Elle saisit le vieux porte-monnaie de sa grand-mère, malgré la poigne surprenante de celle-ci. Et puis tu sais que je suis têtu. Quand je suis décidé, impossible de me faire changer d'avis. Pff, je me demande bien à qui tu tiens ça. Constatant qu'il est inutile d'argumenter, sa grand-mère tourne lentement les talons et entame le long trajet vers la maison. Kaine regarde sa silhouette disparaître de son champ de vision afin d'assurer que tout va bien. Une fois la petite ombre envolée derrière l'horizon, elle prend le chemin de l'apothicaire. Bonjour ! S'exclame le vieil apothicaire à l'arrivée de Kaine. Tu viens pour le médicament de Kali ? Petit villageois s'était donné la peine d'apprendre le nom de sa grand-mère, mais l'apothicaire était un vieil ami. C'était peut-être pour cela qu'il était si gentil, contrairement à d'autres. Oui, si ça ne vous ennuie pas. L'homme se mit immédiatement au travail, prélevant habilement herbes et fioles sur ses étagères pour les mélanger d'une main experte. Très vite, une odeur singulière envahit la boutique et Kaine se remémore aussitôt son enfance. Et voilà, dit l'apothicaire en lui tendant un petit sac de tissu. Désolé pour l'attente. Oh, au fait, ce joli portrait que t'as fait de ta grand-mère, il est très réussi pour sûr. Pour être franc, je n'ai jamais vu Kali aussi heureuse. Elle s'en vante dès qu'elle passe à la boutique. Elle vous l'a montré ? Demande Kaine en plissant des yeux. Elle avait rapidement dessiné le portrait en question après avoir mis la main sur ses crayons et c'était loin d'être une réussite. Dès que sa grand-mère l'exhibe dans le village, lui donnait envie de rendre son déjeuner avant de se cacher dans un trou de souris. Un peu que je l'ai vu, dit l'apothicaire ravi. Elle l'a emmené jusqu'ici pour me le montrer. Je n'avais jamais rien vu d'aussi splendide depuis longtemps. Les pensées de Kaine commençaient à s'agiter. Son dessin était merdique. Et pourtant, la réaction de cet homme laissait supposer le contraire. Il dit ça pour me faire plaisir. L'apothicaire, qui remarque son scepticisme, n'en démord pas. On voit que tu y as mis tout ton cœur, une vraie merveille. Merci. Lâche Kaine, espérant que la conversation s'arrête là. Elle se demande un instant comment elle allait mettre un terme à l'exposition artistique ambulante de sa grand-mère, mais le mal est fait. Elle secoue la tête pour enchasser des pensées de plus en plus bruyantes et attrape le sac qui contient le remède. Et quand elle s'apprête à passer la porte, un bruit sourd retentit derrière elle. Kaine se retourne et voit l'apothicaire recroquevillé sur le sol. Ça va ? L'homme ne répond pas. Kaine s'approche. Elle suppose qu'il a glissé ou qu'il s'est cogné la tête dans une des étagères basses de sa petite boutique. Mais lorsqu'elle arrive à son chevet, elle entend hurler à l'intérieur de sa tête. Ma jambe, ciel, où est-elle ? Paniquée, Kaine baisse les yeux et voit que la jambe de l'homme a disparu. Aide-moi ! Crie la voix dans sa tête. Aide-moi ! Tandis que Kaine le fixe avec horreur, les doigts de l'homme commencent à luire, puis s'évaporent. Il tend son autre main vers elle, mais elle a déjà disparu. Très vite, ses bras s'effacent, puis ses jambes. Ensuite, une moitié de son visage cesse d'exister.
L'un de ses yeux s'échappe de sa cavité pour rouler sur le sol. Dit la voix qui n'en est plus une. Je ne peux... Un instant plus tard, il ne reste du pauvre apothicaire qu'un tas de cendres. Un petit nuage de poussière s'en échappe en silence. C'est passé quoi, là ? Kainé, horrifié, hésite, puis une clameur terrifiée s'élève à l'extérieur. Ciel, que se passe-t-il ? Mes bras, où sont mes bras ? Pourquoi je ne vois plus rien ? Attendez. C'est ça qui s'est vraiment passé dans l'air, ou il se passe un truc par rapport à... Hein ? Par rapport au fait qu'il y a un truc pas normal dans le voyage de temps, là. Kainé se précipite hors de la boutique et se retrouve plongé dans un cauchemar. Les maisons se détachent des falaises, emportant les échafaudages dans leur chute. Une symphonie infernale de cris résonne dans toute la vallée. Les villageois, affolés, explosent dans des nuages de poussière, leurs vêtements emportés ça et là par le vent. Kainé observe d'abord la scène, les yeux écarquillés, puis une pensée s'impose à elle. Mamie ! Kainé oublie le village qui s'effondre autour d'elle et se met à courir. Elle bondit d'un débris à l'autre, s'en servant comme d'un pont pour traverser le monde qui perd peu à peu toute cohésion. Dans sa course folle, le vent lui souffle des cendres sur le visage, dans la bouche, dans les yeux. Des cendres, des cendres, des cendres, des cendres. Des bâtiments et des gens anéantis et dispersés dans le vent. Elle arrive très vite à la maison de son enfance. C'était un lieu rempli de souvenirs précieux, une oasis dans ce monde toujours plus fou. Mais à présent, ce n'était plus qu'un tas de cendres. Elle reste d'abord bouche bée, mais un faible son parvint à ses oreilles. Kainé, elle est vivante, mamie est vivante. Dans la panique, elle se précipite sur l'amoncellement de poussière et commence à le dégager. Ses yeux brûlent, ses poumons brûlent, mais elle continue, ignorant le danger. Elle finit par tirer une forme chétive et noircie des ténèbres. « Viens, mamie, chuchote-t-elle. On doit sortir de là. » Sans attendre de réponse, Kainé prend sa grand-mère dans les bras et se met à courir en perdre haleine pour échapper au chaos. Mais la vague de cendres est devenue un tsunami. Et après quelques pas désespérés, elles sont rattrapées par la poigne cruelle et englouties. Kainé trébuche et tombe, s'écroulant avec sa grand-mère dans les cendres. D'un coup d'œil en direction de ses pieds, elle identifie le coupable, sa jambe droite, qui a disparu jusqu'au genou. Oh, c'est pas ça qui va m'arrêter, bougonne Kainé, en tirant sa grand-mère par-dessus son épaule pour se remettre à ramper. On va s'en sortir, on va vivre. En rampant, elle sent que sa grand-mère est de plus en plus légère, comme si elle s'efforçait d'alléger son fardeau. Alors que Kainé continue de lutter, elle entend une petite voix douce dans son oreille. Merci, Kainé, mère. La voix s'estompe et les cendres de sa grand-mère s'éparpillent dans une brise paisible. Kainé pousse alors un hurlement terrible, triste et solitaire en essayant de rassembler les cendres. C'est pas possible, c'est pas possible! Mais les cendres se mêlent aux autres débris du village détruit, et très vite, elle ne sait plus à qui ou quoi elles appartiennent. Allez, 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 putain! Elle continue à creuser quand soudain, sa main se referme sur un tissu à la fois doux et usé, le châle de sa grand-mère. Je savais que cet endroit était un mensonge. Je le savais, et pourtant j'ai rien pu faire. J'ai pu sauver personne. J'ai même pas pu m'enfuir. J'ai senti la paix qui régnait ici et je l'ai acceptée. Je la voulais. Pour ça qu'il n'y avait rien ici. Aucune raison de vivre, aucun but, rien. C'est pour ça que je suis... Une nouvelle voix fit soudainement irruption dans le monde de Kainé. Weiss ! Après un court instant, la voix se fit plus insistante, plus forte, plus claire. Yes. Le ramener ? Répond Kainé. Mais de qui est-ce que tu parles ? Bien que la voix ait immédiatement agacé Kainé, elle ressentait également autre chose. Une sensation chaleureuse, presque familière. Dit la voix. Un souvenir profondément enfoui ressurgit dans la mémoire de Kainé. C'est vrai, j'avais des amis. Et je me battais pour sauver l'un d'eux. Un faisceau de lumière radieux et aveuglant transperce le monde recouvert de cendres. Couvrant ses yeux d'une main tremblante, Kainé l'atteint. Shiro, le bro. Oh! どうした?まだ思い出せるか?
Oh, ce plaisir. Bon, on prend quoi? Je pense que le mur obscur, ça peut être pas mal. Hein. C'est très fort, mur obscur. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Force à meuse, ça va plus vite comme ça. なあ、シロ。どうした？ありがとう。悪いものでも食べたのか。飛ばすぞ、クソ吹き神。その調子だ。 知るか。私はもう決めたんだ。そうか。また幻覚に惑わされるんじゃないぞ、下着女。分かってる。もう迷わない。 私は決めたんだ。誰の指図も受けない。私は刃になるって決めたんだ。お前の刃になるって決めたんだ。絶対に絶対に絶対に取り戻してみせる。ふざけんな。勝手に消えて勝手に消えて、どういうつもりなんだ。自分が生きてる意味は自分が決める。この命も私が勝手に使う。だから とっとと戻ってこい！この腐れ野郎！
Même pas une demi-seconde d'hésitation. Si vous choisissez ces options, vos données de sauvegarde actuelles seront effacées. Oui, bah oui. Les données de sauvegarde effacées lors de la fin D seront restaurées. En fait, c'est le cancel. C'est la fin du cancel. Ah mais attends, parce que la fin du cancel, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on sauve pas Kainé, du coup. En fait, ça... la boucle sans fin. Ils se sauvent entre eux mutuellement. C'est ça, en fait. Ils se sauvent entre eux mutuellement. Parce que là, si on fait ça, on refait une fin D derrière. Une fois que les données seront restaurées, ces données seront effacées. Oui, bah oui. Oui, bon, on va voir. Mais j'imagine que, du coup, en fait, c'est juste une putain de boucle, quoi. C'est terrible. Ah bah... Ah, on va pouvoir réécrire le pseudo. C'est beau. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais Kainé, hein. Kainé, ben, sois fou. Ouais, ok, c'est bon, d'accord, ça va, ça y est. Ok, j'avoue, maintenant. Ah. Bon, j'avais plus grand-chose, mais merci. Et ouais, c'est ça, on était bien niveau 45, hein. Pardon ?私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる。 Bordel. Aïe aïe. Oh, ce jeu incroyable. Hein. Terrible. Alors, je pensais. Bon, le lien vers Automata il passe. Ou alors, il faut que je refasse Automata encore pour me le rafraîchir, mais. Mais pas aussi clair que ce que j'aurais pu penser, entre guillemets. Enfin. Genre. Parce qu'au début, c'est vrai que sur la fin, là, quand on a eu l'espèce de fleur, je pensais que c'était autre chose qu'on voit dans Nier Automata. Mais non. Mais... Ouais, voilà, on aura une happy ending. Au moins, là, c'est l'happy ending. Quoi. Même si on... Bon, notre perso, du coup, visiblement, il a quand même pris... Il a pris quelques années dans les dents, quoi. Enfin, c'est pas clair, genre. Genre c'est pas trop clair et c'est... J'aurais bien aimé peut-être vivre un peu plus longtemps dans ce monde de Kainé. Mais bon, enfin post voilà. Mais bon.
C'était quand même très sympa comme petite fin. On a pu jouer Kainé qui était trop stylé à jouer. Le combat de fin avec Shiro et tout. Enfin voilà. Et ce jeu. Encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Hein. Déjà, je pense que je peux dire que j'aime beaucoup le style de Yoko Taro. Faut le dire. J'aime beaucoup la façon qu'il a de raconter les histoires et la façon dont il, enfin, dont il utilise cette histoire, dont il a réussi à, la, il réussit à l'enrichir, à étoffer son histoire juste avec des couches de scénario. Parce que, bon, ce que ce qui se passe en Irréplicant, il y a des trucs, des éléments des mécanismes de jeu qu'on retrouve un petit peu dans Nier Automata. Mais c'est beaucoup moins. Enfin, voilà, on a une boucle de gameplay aussi dans Nier Automata. Mais bon, on en a moins, on en a qu'une. Mais qui nous refait faire tout le jeu. Aussi. Après, bon. Enfin, c'est un jeu qui est plus long que Nier Automata. Enfin, tu sens quand même sur certaines mécaniques, sur certains plans de caméra, je pense notamment. Dans la mise en scène, ça fait très old school un petit peu, je trouve. Il y a un truc que n'avait pas, qu'il y a pas ou dans qu'il y avait dans Automata, voilà. Je sais pas comment dire. Par contre, après, en termes de chara design, c'est leur image, je me disais, parce que j'ai regardé des images de Devola Popola de Automata. J'adore le travail qui a été fait sur les personnages en eux-mêmes. Je trouve que le rendu est très très stylé. J'aime beaucoup. Et bon, bref, voilà l'histoire de ce jeu. C'est terrible, hein. Parce que, encore que là, c'est un peu plus. C'est un peu plus descriptible, finalement. Hein, voilà, on a un personnage, on a voulu sauver notre sœur. Bon, il s'avère qu'en fait, on était. Le réplicant. le vaisseau de notre personnage, du personnage du même nom, qui avait voulu sauver sa sœur et qui a fait un pacte avec le grimoire noir et qui était le Gestalt original. Et qui est devenu le maître des ombres, mais ça, je sais pas trop comment, et bon, voilà, bon, il y a peut-être des trucs... Je suis quasiment sûr qu'il y a des trucs que j'ai dû rater, notamment, bah, en vrai, il faut que je lise le lore des armes. Il y a peut-être moyen qu'on apprenne des trucs là-dedans, je sais pas. En fait, il y a toute une phase de l'histoire où je suis en mode... Bah, ok, on sait que c'est lui, qui était en 2053, mais comment ça se fait que ce soit le Gestalt originel? Enfin, original, comment ça se fait qu'il y a encore un lien avec sa sœur, même en tant que réplicant? Voilà. Parce que bon, à la limite, que peut-être qu'il soit devenu le Gestalt original, ça peut expliquer qu'il soit devenu maître des ombres. Après, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment le grimoire noir, comme elle le dit Popola au début, qui a apporté voilà, cette maladie, donc en fait, qui a commencé à apporter. Je sais pas comment dire. Transformer les gens en Gestalt? C'est pas clair, voilà. Je sais pas trop. Parce que en vrai, quand on le voit en 2053, il y a déjà des ombres autour de lui. Et pourtant, il n'est pas encore une ombre. Mais il a fait le pacte avec le libre à ce moment-là. Bon. Voilà. Toujours est-il que. Enfin voilà, après, je trouve que toute la beauté du jeu, c'est justement dans ce truc-là de. Bah, t'affrontes. T'affrontes tout un tas d'ennemis, d'adversaires qui en fait ont des motivations tout aussi nobles que les tiennes. La partie façade, c'est incroyable. Hein. Le mariage avec façade, c'est simple. Hein. Je l'ai vu 4 fois. 8 à 5. Je suis sûr que ça veut dire un truc en plus. Je suis sûr qu'il y a un message. Au revoir. Visitez la maison de cette femme pour obtenir une nouvelle arme. Bah oui. Comment ça de cette femme? Quel... Hein? Kainé? Attendez. Je veux dire, la vidéo fait pas 3 heures, ça va. C'est bon, je suis pas encore à 3 heures. Bah attendez, comment ça, la maison de cette femme? Bah attendez, genre... Moi, quand je pensais à une boucle, c'était pas on sacrifie l'existence... Non, voilà, y'a Kainé. Bah oui, t'es là. On va direction à la maison de cette femme. Merci Kainé. Et tu vas pouvoir te battre quand même? Oh, attendez, c'est une épée à une main j'imagine. Oh ouais!
Ouais, ouais, elle est pas mal l'épée. Oui, c'est... Attendez. Ah, mais oui, c'est une épée à une main. Mais oui, non, mais c'est abusé. C'est... Tu m'étonnes qu'on faisait mal. Ah ouais. Ah ouais, c'est fort. C'est stylé. C'est sympa. Tiens, bon, on va lire le lore de cette arme-là, tiens. On va pas lire toutes les lores des armes parce que j'ai envie de couper cette vidéo avant que ça fasse 3 heures parce que... Hein ? Mais voilà. Moi, je le lirai peut-être de mon côté, je sais pas, j'en ferai peut-être un débrief de... Si je trouve des trucs sympathiques dedans. Épée de Kaine. Elle a peur. Elle a peur de souffrir, de la douleur, de la tristesse de perdre ceux qu'elle chérit. Aussi faible soit-il, ce sentiment seul s'accroche à elle. Attendez, mais on peut l'améliorer ? Pas clair. Imaginons qu'on peut améliorer l'épée à 999 de dégâts. Alors, problème, hein. Le problème, c'est... Regardez mon argent. Et maintenant, regardez mon grimoire. Voilà, et ça, c'est que des objets qui servent à rien. J'ai plus rien, j'ai tout vendu. Je voulais mon million. Mais en fait, au moins, du coup, maintenant, j'achèterai que les matériaux qui m'intéressent. Voilà, ce sera plus facile. Où est-ce que tu peux m'améliorer l'épée de Kaine? Ouais. Oh putain. Non mais... Mais non. En plus, c'est des minerais de fer. Ah mais attends. Non mais... Ah oui, ça augmente sa puissance magique. Oui, d'accord. Voilà, il me faut un amas de ferraille. On peut l'améliorer, quoi. Oh là là, c'est trop bien. Bon, j'imagine que ça va juste augmenter le niveau de magie, mais... Quoi qu'après, au bout d'un moment, quand elle va être level 4, ça va être quoi la prochaine progression? Parce que là, on va passer à 90 en level 3. C'est là. Non, si. Jamais. Oui, c'est là. Elle se bat. Son talent au combat est féroce. Il repousse le chagrin lui-même. Rien ne peut détourner sa lame vengeresse de sa sombre tâche. Pas même la pluie du sang qui brouille sa vision. Ok. Bah écoutez. Sur ce, moi je vous dis... j'allais vous dire à la prochaine pour... Voilà, mais non. Mais non. C'est fini. Eh oui. 78 heures. Sans compter là le temps qu'on a passé là. Je sais pas si je vous le mettrai en une fois. J'imagine que oui. Je sais pas. Mais si on en est en une fois là, on a un bon épisode d'une heure et demie. Hein. J'aurais peut-être eu une partie. Hein, voilà. Désolé hein, si j'ai coupé brusquement. On verra. Bref. Bah ouais, c'est fini. Il m'aura fait chialer ce jeu. Vous l'aurez pas vu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave ça. Pas de détail. Mais qu'est-ce qu'il y a des... Il y a des moments. On va peut-être essayer de changer d'angle de caméra que ça. Pour la fin. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est pas mal. Ça c'est déjà pas mal. Ouais, Emile, viens, viens. Voilà, Emile. Ouais, Kaine, non, Kaine elle peut pas. Kaine quoi. C'est Kaine. Que je vous dise. Ouais, bah voilà. Non, c'était vraiment sympa. C'est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. J'ai choisi un petit peu une autre méthode hein, pour le. Que ce soit au niveau du format. Ok, enfin, oui, au niveau de la façon dont les vidéos sont montées. Et au niveau de la façon dont moi je l'ai tourné, hein, parce que là, moi, l'épisode, ça y est, il vient de dépasser les 3 heures. Ah, Kaine est venu. Putain, merci Kaine, c'est incroyable. Mais ouais. Bon, voilà, j'ai fait des vidéos qui sont... Enfin, j'ai tourné des vidéos très très longues, par gros paquets, mais vraiment en mode, en full immersion aussi, moi de mon côté, je mettais la musique à fond, enfin voilà. Pour essayer de vraiment mettre le plus dans l'ambiance possible, de profiter le plus possible du jeu. Et je suis vraiment satisfait, moi, de l'expérience que j'en ai eue. Donc j'espère aussi que j'ai pu vous retranscrire une expérience agréable. Je vous aurai enlevé beaucoup beaucoup de phases de combat. En essayant de vous en montrer un petit peu et vous montrer quand même les phases de combat contre les boss. Parce que justement l'avantage c'est qu'en hard au moins,
T'as le temps de profiter des boss. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais sur la fin, surtout, à partir de la P2, en vrai, ça commence à aller. Je galère beaucoup moins sur les boss, notamment, et sur les combats de base. Donc bon. Non, c'est quand même... C'est un jeu qui était vraiment agréable. Qui a un gameplay qui fonctionne bien. Et qui a une histoire, mais qui est vraiment trop trop cool. Enfin, genre... Voilà. Oh non, mais oh, ce mariage façade. Ah, la fin des... Pareil. Ben voilà, ce jeu, il m'aura vraiment fait traverser pas mal d'émotions. Il m'aura... Je sais... En termes d'histoire, il m'aura peut-être un poil moins transcendé qu'Automata. Mais... En fait, c'est très différent. C'est-à-dire qu'Automata, je l'ai découvert sur... peut-être un mois. Là, on est le 6 mai. Je sais plus quand le jeu est sorti. Je crois qu'il est sorti le 23 avril. Je commençais à y jouer le 24. Donc là, j'ai fait le jeu en 8 jours. Et c'est pas le même temps que j'ai mis dessus. Faut se rendre compte aussi de ça. Ce qui fait en fait que Nier Automata, j'y jouais genre une heure et demie par jour. Et puis après, moi, mon cerveau, il était en mode... Ce qui faisait qu'en plus, j'étais en mode, putain, mais attends, mais est-ce que ça veut dire ça, machin? Et je pense que ça a aussi altéré un petit peu ma vision que j'ai d'Automata. Mais ce jeu est juste exceptionnel. Hein, voilà. Il n'est pas exempt de défauts. Je pense qu'il plaît pas, il plaira pas à tout le monde. Notamment parce que bah, c'est répétitif. Les quêtes secondaires, c'est du FedEx sur 20, sur beaucoup, beaucoup de quêtes. Bon. En même temps, ça fait le charme du truc. Et bah, t'as toujours ce sous-texte derrière aussi. Qui fait que bah voilà, au début, t'es serviable, t'es content, t'es machin, t'es un gamin, t'aides les gens et tout. Puis après, vraiment, on prend pour un larbin de service en mode ouais, tu t'es le mec à tout faire là. Tu vois, je trouve ça trop marrant la façon dont c'est utilisé. J'aime trop la façon dont tout est écrit, le monde s'articule et tout. On a beaucoup de personnages qu'on retrouve aussi au fil du jeu. Je pense qu'on devrait pas te montrer tous les dialogues pour le coup. Mais c'est vrai que bah voilà, t'as des personnages de. Notamment du village de départ, parce que c'est facile de retenir ceux-là. Mais même de littoral. Tu vas leur parler au début du jeu, tu leur reparles au fur et à mesure. Il dit des trucs différents, genre t'as le mec à côté du phare, il a son histoire avec sa meuf, t'as tout un tas de trucs comme ça qui sont marrants, je trouve, enfin qui montrent vraiment de la vie, qui s'articule, et qui rend ça aussi encore plus ironique quand tu te dis qu'en réalité, bah en fait c'est tous des réplicants. On va les appeler comme ça, parce que bon, j'ai envie de les appeler autrement, mais bon, au pire, hein, toi de les appeler des androïdes, c'est bon. C'est bon, si je dis que c'est comme Toubi et Nainesu, au bout d'un moment, c'est des androïdes. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et hein, on revérifiera dans Automata, mais... voilà. Ce qui expliquerait d'ailleurs tout sur Automata... Enfin, je crois qu'en vrai, si vraiment... Enfin, il y a des trucs qui me font penser que, en fait, le scénario de Nier Automata, il résonne encore plus sur les conséquences de ce jeu-là. Que ce que j'aurais pu penser, entre guillemets. Enfin, voilà, en fait, en faisant le jeu, je pense que je vais me rendre compte de certains trucs que j'aurais pas pu me rendre compte, évidemment, avant. Parce que, bon, voilà, Nier Automata, on a... À la fin, des révélations assez importantes. Voilà. Bref, on en reviendra au moment venu. J'ai très hâte, parce que je pense que là, du coup, je vais pas tarder à m'enchaîner Automata. Je vous préviens. Voilà, donc, enfin, soit je m'enchaîne Automata, soit j'attends et je mets un focus sur vous sortir la fin de ce let's play le plus rapidement possible. Parce que je n'ai plus aucune idée du nombre d'épisodes qu'il y a depuis un petit moment. Je vous avoue, je n'ai aucune idée de quel épisode on est. Je crois que la dernière fois que j'avais le compte, on était vers les épisodes 24, je crois. Mais ça se trouve pas du tout, ça se trouve c'était l'épisode 20. Donc, bon. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est vraiment c'est que ce let's play vous aura plu. Que cette aventure vous aura plu, cette découverte vous aura plu. Voilà, il y aura eu peu de commentaires. Il y aura eu peu de cam. Mais bon. C'était trop bien. J'ai trop aimé. J'ai beaucoup trop aimé ce jeu. J'ai fait que ça pendant... Enfin, j'ai pas fait que ça, c'est pas vrai. J'ai d'autres trucs. Un peu. J'ai fait un peu du Among Us. Et je sais plus quoi, d'autres jeux. Mais bon, j'ai fait quasiment que ça.
pendant 8 jours. Un peu plus. Ouais, plus de 8 jours. Bref, c'était trop cool. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Blue. Il y a une prochaine pour d'autres contenus, d'autres aventures, des vidéos, peut-être d'autres types de vidéos qui vont peut-être revenir maintenant que je vais pouvoir focus sur d'autres choses. Je vais peut-être penser à d'autres choses aussi. Mais ouais, tiens, bah Emile qui passait devant la caméra, le personnage d'Emile. Putain, c'est un bijou, hein. Enfin, personnage de Kainé, personnage d'Emile, même notre perso, genre... Oh. Mais je pense qu'en vrai, j'essaierai d'en faire des trucs un peu... Des vidéos dédiées, bah des Blue Davy. Dédiées sur ces persos. Comme ça, au moins, je pourrais poser ce que je dis de façon un peu plus propre. Parce que là, bon, voilà, je pourrais dire des trucs sur Emile, mais je vais passer à côté de plein de trucs que je voudrais dire. Que, enfin, voilà, ça va être brouillon dans la façon dont ça va être dit. Donc, je vais l'écrire proprement, je vous ferai une vidéo dessus. Hein, voilà, je pense qu'on fera ça comme ça. Histoire de rendre hommage un peu à ces personnages qui sont juste magiques. Tout simplement. Voilà, ils sont incroyables. J'aime trop ce qu'ils racontent. Le personnage de Nyona aussi. C'est un bijou. On la voit pas beaucoup au final, hein, mais en fait, on la voit beaucoup au travers des lettres notamment. Donc finalement, on la voit un peu tout le temps. C'est ce qui fait qu'elle, ça la rend très présente, je trouve, dans l'aventure. C'est très marrant. Mais bref, sur ce, à la prochaine. Bye bye. Et bonjour. Bon, pire fond vert de l'histoire, hein, tout ça. On est de retour sur Nier Replicant, enfin on est de retour, c'est toujours le dernier épisode pour vous, mais pour moi c'est plusieurs jours après. Parce que je me suis dit tiens, je vais me lancer dans la chasse au succès, donc j'étais en train de refaire un petit peu le jeu. Étant donné qu'on en était, enfin que ça nous ramène au niveau de la fin, enfin de la fin du jeu on va dire. Et bon, j'ai voulu passer le jeu en mode normal pour essayer de faire les succès de speedrun, parce que bon bah, on va pas se mentir que ça va être certainement plus facile en normal. Et j'ai vu ça, j'ai vu un dernier adieu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je vois trois petits... Donc j'ai lancé ça vite fait, en mode, ouais, ça se trouve, c'est juste la cinématique de fin qu'on nous montre, en mode, voilà, on nous remonte la cinématique de fin qu'on avait eue avec Kainé. Mais visiblement, pas du tout. Alors bon, voilà, moi j'ai vu, genre, les trois premières secondes, même pas. Mais ça partait déjà dans le mindfuck complet. Donc voilà. Allez, c'est parti. Minna, iru? Oru zo. Imasu. Ah. Dewa. Player no minasan, kono game o play shite itadaki, hontou ni arigatou gozaimasu. Ah, Yona, nete nai to dame janai ka. ごめんね。でもこれで本当に最後だから。そうよ。多めに見てあげて。可愛い妹の頼みだぞ、お兄ちゃん。ポポルさんにデボルさんも来ちゃったの？なんか面白そうだな、カイネ。誰？キュラン。話がややこしくなる。引っ込んでろ。このままでは長くなる。 さっさと終わらせよ。ああ、終わっちゃうってなると寂しいですね。でもいつかは言わないと。それにきっとまた会えるよ。ええ、本当ですか？腹が減ってきた。そろそろ終われ。では改めてプレイヤーの皆さん、このゲームをプレイしていただき、せーの、 本当に、ありがとうございました。Mon... Bah, c'est parfait pour clôturer en vrai. Au revoir. Rikaesurasenni. Watashitachi wa torawarete tsuzukete iru. Kore wa noroi ka? Sore tomo batsu ka? Fukakai na puzzle wo watashita kami ni. Itsuka.